Hello, hello les amis, un petit vlog. J'étais tellement à fond dans cette campagne que de temps en temps, j'ai quand même fait des stories sur Instagram, mais j'avais pas vraiment le temps de faire des vidéos YouTube et tout ça depuis mon retour de Corse. Donc je suis navrée, mais vraiment ce qui était le plus important, c'était de me focaliser sur cette campagne et de pas perdre de temps sur d'autres choses parce que c'est vraiment prenant. Et fallait vraiment que j'ai tout mon esprit concentré là-dessus. En tout cas, là, je me pose quand même. On est lundi, le 20 mai. Je me pose parce que, pour vous dire que, donc, jusqu'à hier soir, donc, je suis revenue de Corse le week-end dernier, dans la nuit du dimanche à lundi. C'était génial. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez vu quelques vidéos. C'était top. C'était waouh. Enfin, quand on dit que la Corse, c'est beau, c'est pas un mensonge, hein. Donc voilà, ça m'a fait du bien, vraiment ça m'a fait du bien. Et du coup, je suis revenue le lundi à fond la caisse pour la campagne sur Kickstarter. Donc comme je l'avais prévu, j'ai mis une très grosse semaine à tout organiser, les visuels, penser à tout ce qu'il faut mettre dans cette campagne. C'est voilà, c'est pas un petit boulot, donc voilà. Et ça a été assez intense encore une fois. Heureusement que j'ai eu cette pause en Corse parce que franchement, c'était assez intense. Et jusqu'à hier soir, minuit, non, je dis 23h30, j'étais sur la relecture de cette campagne pour être sûre de rien avoir oublié. Et encore, c'est pas dit que j'ai rien oublié. Mais voilà, hier soir, 23h30, j'ai cliqué sur le bouton « Envoyer le projet » pour que Kickstarter puisse vérifier. Donc, ils font une vérification, ils prennent à peu près 3 jours, enfin, ils disent 3 jours de délai pour dire s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses que, voilà... Bon, moi, normalement, comme je suis déjà habituée sur les campagnes Ulule et c'est assez similaire, je pense que tout devrait être OK. Je vous en dirai un peu plus, mais vous verrez... Enfin, de toute façon, je referai une vidéo une fois que la campagne sera lancée. Il faut aussi que j'organise un petit live. Ça serait sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, si vous avez des questions. Bon, de toute façon, quand la campagne va ouvrir, vous aurez tout, le détail de tout. Vous aurez normalement connaissance de tout. Voilà, on pourra toujours faire un live quand même, mais je vous avoue que le temps il presse. Après, c'est juillet-août, on arrive bientôt, donc il faut que tout ça, la campagne se fasse avant juillet-août. Donc, du coup, comme c'est un mois, il y a 30 jours pour la campagne, c'était important que je m'active vraiment et que je passe pas de temps à faire des vidéos ou quoi. Donc, vous allez vraiment découvrir l'oracle, voilà, et ce qu'on vous propose sur cette campagne. Qu'est-ce que je voulais vous dire quand vous allez ouvrir donc je vous informerai aussi sur la newsletter. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter du site, bah, faites-le. Comme ça, vous serez informé dans les premiers pour l'ouverture de la campagne. Donc la newsletter, c'est sur le site. Hein. Vous allez sur le site, vous allez dans l'onglet newsletter et vous vous inscrivez tout simplement. Quand, quand la campagne va ouvrir, vous verrez une première vidéo en haut, c'est la vidéo d'introduction. Donc, elle est en anglais. Je l'ai faite en anglais parce qu'en fait, Kickstarter, c'est international. Donc, majoritairement, il faut que ça soit en anglais. Et les premiers textes sont en anglais. Par contre, je vous ai fait une petite version française que je mettrai certainement aussi sur YouTube. Comme ça, vous l'aurez. Je l'ai mise aussi un peu plus bas dans les textes. Donc, vous verrez, c'est la même vidéo que l'introduction, mais en version française. Voilà. Donc, je vous parle en français. La majorité du texte d'introduction, de l'oracle, de mon historique, de qui je suis et tout ça, c'est en anglais. Vous me connaissez déjà. Donc, bon, c'est pas forcément important, même si vous parlez pas l'anglais, de pas le comprendre, parce que c'est des choses que vous connaissez déjà sur moi. C'est surtout pour se présenter à un nouveau public, en fait. Donc, tout ça est en anglais. Par contre, après, il y a des choses où là, ça vous concerne et c'est toujours anglais-français. Anglais-français, anglais-français, par exemple, sur le shipping, sur les transports, sur les frais de transport, sur l'organisation de tout ça au niveau du temps, sur plein de petites choses voilà, que vous avez besoin de savoir aussi en français. Donc, vous verrez, il y a texte anglais, texte français. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, de toute façon... On aura l'occasion d'en reparler, vous verrez. C'est assez sympa tout ce que j'ai pu mettre en place. Je vais vous montrer aussi, là, sur cette vidéo, les pochettes qui ont été faites et le tapis de tirage. Je vais aller m'installer là-bas et je vous en dis plus tout de suite.
je me suis mis là, il y a plein de fouillis partout parce que j'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de ma maison, soyons clairs. Alors, donc les trois tissus qui ont remporté le sondage, je suis pas bien cadrée, c'est pas évident. Donc les que, vous savez, j'avais fait un sondage sur Instagram et il y a trois tissus qui étaient plus vraiment, enfin, qui ont vraiment remporté les suffrages. Donc il y aura trois pochettes au choix sur la campagne. La pochette ne sera pas vendue individuellement, sauf si vous prenez les trois, où là, ok, c'est intéressant et donc j'ai pu le mettre en vente. Mais et encore, j'ai hésité à le faire. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que cette campagne, c'est sur l'oracle. Donc, ce n'est pas pour acheter non plus des accessoires uniquement. Et j'ai donc... vous avez l'oracle seul, vous aurez l'oracle et la pochette de votre choix. Ou alors, en effet, si vous voulez, en plus, les trois pochettes. Là, j'ai fait un pack simplement pour les trois pochettes. Alors, la voilà. Donc, la première. Alors, je ne sais pas si avec la lumière, c'est... pas trop de lumière. Voilà, enfin vous verrez bien tout ça. Donc intérieur jaune, voilà, doublé, un beau petit tissu jaune. Un petit cordon bien jaune pétard. Moi j'avais envie. Donc je vais essayer de penser à vous mettre une vidéo là de, avec Oriane où on s'est bien éclaté. On s'est bien amusé. Ça a été un bon moment où justement on a étudié tout ça ensemble avec les tissus et tout. Bon, vous nous verrez dans son atelier à elle. Il faut que je pense à faire cette vidéo. J'oublie quand au niveau du montage de la mettre. Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci. Alors elles sont pas forcément. Là il y a un paquet de cartes dedans, donc c'est pour ça que ça. Il y a celle-ci. Donc, voilà, hop. Alors celle-ci je l'ai appelée la Love, la pochette Love. Même s'il y a des cœurs et des Love, celle-là je l'ai appelée. Comment je l'ai appelée? Ah, ça y est, j'ai un trou. Flower power, parce qu'elle est pleine de fleurs. Et on a celle-ci. Pareil, hein, tous les intérieurs sont le même jaune. Celle-ci, je l'ai appelée la Hippie Vibes. Voilà. Celle-ci, elle est vraiment aussi très très chou. Et alors, vous voyez qu'on a un petit Peace and Love qui est rajouté sur chacune. C'est assez discret, mais bon... Voilà, c'est la petite fantaisie qui a été mise. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les pochettes. Et voici le tapis de tirage. Donc pour l'instant, on a un modèle. Comme il y en a deux qui me plaisaient, en fait, il y en aura peut-être une proposition d'un deuxième selon l'avancée de la campagne. Vous verrez tout ça sur la campagne selon les montants. Il y aura d'autres choses qui seront débloquées, d'autres produits, d'autres offres qui seront débloquées avec parfois des petits cadeaux aussi et donc je pense aussi débloquer un deuxième tapis de tirage en fonction de l'avancée de la campagne. Pour l'instant, le premier qui sera en vente, en tout cas sur cette campagne que je vous mets bien droit, c'est celui-là. Voilà, donc moi je le trouve extra et vraiment sympa, plein de joie, plein de peps ce tissu. Et je trouvais qu'il était très bien. Autant il était un peu... On n'aurait pas pu le prendre pour les pochettes parce que c'était gros écrit et tout ça. Mais que sur le tapis, je le trouve parfait. Donc voilà, doublé en jaune aussi. Voilà, quand on veut plutôt faire son tirage sur quelque chose d'uni, au moins on pourra juste le retourner. Et quand on veut un peu plus de folie, on prendra celui-là. Voilà, donc il est... voilà, une petite couture doublée, tout ça. C'est, après, il faut savoir que c'est des beaux tissus hein, qui viennent d'Angleterre. En tout cas, moi, je les achète en Angleterre et ils ont plein de normes et de spécifications. Enfin, c'est des tissus responsables. Enfin, voilà, c'est toute une entreprise qui fait des belles choses avec... c'est vraiment de la qualité. Vous verrez aussi sur la campagne, je vous ai mis tous les détails, les références de cette qualité de tissu. Vous comprendrez, vous allez voir, vous allez tout découvrir. Voilà. Ben, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, autre chose ? Je pense que je vais vous mettre aussi une vidéo qui date un peu,
Parce qu'en fait, au début, j'avais quand même filmé certaines illustrations qui se retrouvent dans l'oracle. Des illustrations que j'ai faites il y a un petit moment, j'étais dans le van. Il y en a qui ont été faites cet été, très peu, très très peu. Après, à l'automne, quand j'étais encore dans mon van, ensuite un peu une à l'hiver. Enfin, et j'étais pas encore sûre de le faire, l'oracle. Je le faisais parce que j'avais envie de faire ces illustrations. Ça me portait. Mais je vous en parlais pas trop à ce moment-là. Donc. Parce que j'étais pas sûre, voilà. Donc tant qu'il y a rien de sûr, voilà. Et bah, maintenant que ça s'est concrétisé, donc je vais vous certainement vous remettre des vidéos qui ont été faites parce que j'avais quand même enregistré. Et malheureusement, il y en a que je ne sais pas si je vous avais partagé. C'est possible. Je pense que je vous en ai partagé. Je ne sais plus. Donc je suis désolée, mais je vais pas les faire refaire tout l'historique de mes vidéos. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Donc bah, si vous les avez vues, vous les avez déjà vues, tant pis. Mais sinon, je vous en remets parce qu'il y en a de tête où on revoit pas du tout vous les diffuser. Donc là, par exemple, je vais vous mettre la vidéo de la main comme ça, qui est la carte de la victoire. Voilà. Et je vais vous laisser donc sur cette vidéo. Et la prochaine fois qu'on se voit, ben, la campagne sera ouverte. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter pour être au courant. En tout cas, ça va se faire d'un jour à l'autre. On est lundi. Normalement, mercredi au plus tard, j'ai une réponse. Alors, s'il y a des changements à faire, bon, bah, évidemment, ça va avoir un délai un peu plus long, mais j'espère vraiment pas pour qu'on ait cette campagne un mois, donc fin mai à fin juin, ouverte. Et voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et qu'est-ce que je veux dire? Bah, de toute façon, après, vous aurez une petite vidéo qui vous comprendrez. Vous allez comprendre que la campagne est ouverte aussi. Enfin voilà, je ne sais plus où je dois mettre ma tête en ce moment parce que c'est très intense. Je vous fais des gros bisous. J'ai quand même l'impression que j'oublie de vous dire un truc que je voulais vous dire. Mais écoutez, tant pis, hein, ça sera pour la prochaine fois. Bisous!